Hola, bienvenue dans un nouveau vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydie et je fais des vidéos tantôt sur la couture, tantôt sur ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, ça part sur un... je sais pas encore quoi. En fait, ce matin, on a été chercher un meuble qu'on veut depuis longtemps dans le salon. On veut en fait un meuble assez gros, une vitrine pour pouvoir y mettre nos beaux verres à alcool, nos alcools et puis pouvoir y ranger des trucs quoi. Ça fait longtemps qu'on veut ça, mais c'est pas une priorité au moment où on a déménagé, donc on a reporté ça plus tard. Il y a quelques jours sur deuxième main, on a vu un meuble hyper chouette, hyper bonne qualité, bois massif, avec les vitres comme on voulait, d'une chouette dimension. Et du coup, aujourd'hui, on a été chercher ça, vraiment pas cher en plus, en Flandre. On a été chercher en Flandre, on a demandé à une amie pour avoir sa camionnette, tout ça, donc de l'organisation quoi. On est arrivé avec cette armoire qui n'a pas pété, heureusement, pendant le trajet. Et ça rentre pas dans l'ascenseur. Et le meuble est beaucoup, beaucoup trop lourd pour qu'on porte Max et moi dans l'escalier, et même on n'est pas sûr qu'il rentre dans l'escalier, on n'est vraiment vraiment pas sûr. On va essayer demain avec des amis qui vont venir, mais bref, donc là il est genre 14h30 je crois, et depuis 9h ce matin on est en route et ça marche pas, donc voilà, voilà le mood dans lequel je suis. Donc vous me connaissez, j'ai envie de me changer les idées, et pour me changer les idées je vais coudre. J'ai deux tissus trop cool, un qui est simplement uni mais qui m'emballe parce que c'est un mélange entre lin et viscose, je vais vous les montrer après, et l'autre qui a des motifs hyper peps, trop fun. Donc voilà, je sais pas encore lequel des deux je vais coudre, je sais déjà ce que je vais coudre avec chacun des tissus, mais donc voilà, je me décide en faisant mon café et puis je vous reprends après. Alors je me suis décidée et je vais coudre le tissu Siouatix que j'ai acheté. C'est un lin viscose lila, il est magnifique et en fait j'en ai pris 1m10 et j'aimerais bien me coudre de nouveau un ensemble. Je veux me faire une jupe droite avec une fente, toujours, plus soit un petit haut, soit un... je sais pas encore quoi. Je sais pas encore quoi au-dessus. Ouais, soit un petit top. En fait, je vais rire avec les chutes du tissu qui me reste. Parce que 1m10, c'est vraiment pas grand-chose. Mais étant donné que je suis toute fine et que je fais une mini-jupe, je me dis qu'il y a moyen. Du coup, je vais d'abord créer le patron de cette jupe droite. C'est très simple. Je vous mets une vidéo YouTube qui fait le tuto en barre d'informations. Suivre le patron de Pretty Hero, c'est grâce à elle que j'ai appris au début à patronner, à faire mon buste de base, ce genre de choses. Elle fait également la jupe de base, qui finalement est ce que je veux faire. C'est simplement que moi je vais rajouter une fente, mais c'est vraiment pas compliqué à rajouter. Enfin, tu fais juste, tu coupes pas tout et puis tu... enfin bref. Pas compliqué. Je vous mets le tuto dans la barre d'information parce que je ne vais pas vous expliquer comment faire un patron. Je ne saurais pas vous expliquer. Je sais que ça va pas être clair, ça va être brouillon, tout ça. Donc elle le fait très bien, donc allez sur sa chaîne. Et voilà le tissu dans lequel je veux faire. Il est tout moche ici, c'est nul. Je sais pas où je pourrais avoir une bonne lumière, mais c'est un magnifique lilas. Ça ne se voit pas du tout à la caméra. Là, vous voyez la bonne couleur. C'est magnifique. Et faut que je le repasse avant, bien sûr.
Je viens de faire ma finition à la main pour refermer en fait la ceinture. Je déteste faire ça, je voulais pas filmer, je coupe pas très bien à la main, donc c'est pas d'une grande utilité. Là maintenant, du coup, je suis à l'ourlet, ourlet final. J'ai rentré en fait 2 fois 2 cm et j'ai envie, vous voyez, mon fil en fait n'est pas exactement de la bonne couleur. Alors, ça peut être un effet, c'est pas très grave, c'est pas hyper choquant. Mais en fait, je me demandais pourquoi ne pas faire un petit petite piqûre, pas au point droit, mais en point décoratif. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça sur une de mes coutures. J'en ai plein sur ma machine. Juste, je sais pas si ça ira parce qu'ici, pour la fente, j'ai fait un point droit. Ou alors, je le commence juste après. Je me dis pourquoi pas. Voilà, c'est une idée que j'ai en tête. Je sais pas encore si je vais la réaliser. Ok, je viens de voir qu'en fait, j'ai quasiment plus de fil. Alors, ce sera pas pour aujourd'hui le petit point décoratif, parce que si je fais un point décoratif, donc j'ai tout ça qui est face à moi, je vais utiliser beaucoup plus de fil que la normale. Donc là, je vais faire un classique, et à mon avis, pour le dessus que je vais faire assorti, je ferai là un petit point décoratif. Et voilà la jupe, elle est pas mal du tout, ça choque pas trop, je trouve qu'il y ait le fil d'une couleur différente, ça se voit, hein, mais je sais pas, ça me choque pas trop. La tirette n'est pas parfaite, je sais pas pourquoi, des fois je l'ai réussi hyper bien et des fois je l'ai réussi moins bien, j'ai pas de raison. Mais voilà la jupe, maintenant je vais faire un haut, mais je sais pas encore si je veux un haut fermé, voilà, ou bien un petit haut type veste, type chemise que je vais laisser ouverte et j'aurai un t-shirt en dessous. Je me tâte beaucoup, je sais pas du tout. Donc je vais un petit peu regarder sur Pinterest, Instagram, qu'est-ce qui m'inspire. Et puis je commencerai, à mon avis, pas aujourd'hui ou bien je ne sais pas encore quand. Alors, ça part sur une sale dégaine, mais je vais vous expliquer. Donc j'ai une idée pour le haut, je voudrais quelque chose avec un denu. Tadam, un énorme denu. Je pars ici sur un prototype. Heureusement que j'ai fait un prototype parce que je vous assure que là je suis en train de faire n'importe quoi, mais ça passe. En fait, à la base, je pars du patron de mon body. Donc c'est quelque chose de près du corps. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture partout. Ici, j'ai fait un ourlet simple pour le col et également pour le dos. Le dos, ça donne bien. Le col, clairement, je vous mets de près. C'est dégueulasse qu'on se le dise. Parce que j'avais la flemme et que c'était un brouillon, j'ai pas fait les pinces, mais clairement elles sont nécessaires. Donc là, les pinces, je les ai mis aux épingles, juste histoire de me donner l'impression que. Le devant, je saurai le découper dans mon tissu donc lilas qu'il me reste. Donc ça, c'est bon. Et alors, tout ici, j'ai rajouté une bande de genre 8 cm sur 1 mètre, qui donne du coup un petit nœud. Je crois que ça passe, mais j'aurais aimé que ce soit un plus beau nœud que ça. Donc je me tâte encore. Ah oui, et à l'arrière, comme vous voyez, j'ai rajouté une ligne de billet pour soutenir un petit peu, parce que sinon, ça flotte trop dans mon bas, enfin dans mon dos plutôt. Donc voilà, je sais pas si je suis... Ah oui, et les manches. Les manches là, c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais en fait, j'ai dans l'idée de rajouter des manches longues et un peu bouffantes avec, vous savez, un élastique au bout. Ça, c'est pas encore fait, mais j'ai pas trop peur, du coup, je les laisse pas pour le brouillon. Et donc voilà, c'est l'idée.
Alors, je viens d'essayer du coup mon habit et je suis vachement satisfaite. Bon, la ligne ici est moins épaisse que mon habit test, mais ma foi, j'ai fait avec les bouts de tissu que j'avais. Le dos, finalement, j'aurais même pas besoin de faire la rayure que j'avais derrière. Je pensais faire dans un biais en fait deux ficelles qui se rejoignent pour serrer au dos, mais ça baille moins que mon petit test. Donc ça c'est cool. Alors par contre, ce qui me dérange, et normalement vous le verrez assez vite, vous voyez, c'est ça. J'ai fait une pince ici à ce niveau-ci, mais là ça baille quand même assez fort. Et donc soit je refais une pince, mais je me dis deux pinces, ça va faire bizarre en fait. Soit je laisse comme ça, je fais la manche, je vais faire finalement une manche qui va s'arrêter je pense jusqu'ici, et je veux la faire assez volante comme ça. Voilà, je pense plutôt à une manche courte parce que je mettrai cet habit en été. Et je pense surtout le mettre avec un kimono, donc c'est pas grave si j'ai des manches courtes. Et donc je veux essayer avec mes manches volantes, voir si ça fait toujours bizarre, ou bien si du coup avec des manches ça passe. Voilà, mais je vais pas faire ça maintenant, là il est déjà tard. Donc je laisse ça pour peut-être pour demain, juste avant d'aller au boulot. J'ai 1 heure avant d'aller au boulot pour coudre. Et il y a peut-être moyen que ça le fasse, mais j'ai pas encore fait le patron de ma manche, donc à voir. Mais voilà, je suis trop contente de mon dos, genre ça donne vachement trop bien. Hello, alors ce matin j'ai 1h10 avant d'aller au boulot et j'aimerais finir mon petit haut. je sais pas si c'est possible parce que je vais encore faire le patronage de ma manche. J'ai une manche large, mais je veux une manche papillon, ce qui est encore différent. Donc je dois modifier le patron, faire un test parce que je suis pas sûre de ce que je fais. Et ensuite couper dans mon tissu et faire réellement la manche. En soi, ça prend pas méga du temps, mais en même temps, j'ai une machine qui tourne, il faut que je la pende. J'aimerais me maquiller et je me connais. Des fois, je traîne un petit peu, j'aurais peut-être faim, donc j'aurais envie de déjeuner. Tout ça en 1h10, je sais pas si c'est faisable, mais c'est parti! Alors, oula, ça, la machine. Wouh! qui a eu envie de vomir. Donc, on est plus ou moins sur une manche papillon. Ici, c'est un tissu fort rigide parce que c'est du coton. Mais voilà, il y a un petit drapé que je voulais, donc ça, c'est top. Et elle sera un petit peu plus courte parce que je ferai un double relais pour faire la finition. Et on est bon, les gars, c'est super cool. Je suis trop contente, c'est vraiment à l'arrache, mais ça tombe bien, nickel. En même temps, il faut savoir que constamment, je regarde sur Pinterest comment faire des manches, comment faire changer son patron, en fait. Et du coup, j'ai tout le temps un œil là-dessus, même si je ne le fais pas tout le temps. Bref, donc je voyais déjà comment un petit peu faire avant de me lancer. Écoutez, il est 8h30, je pense. En une demi-heure, à mon avis, j'aurais fait ma hanche. Non, ma manche. Donc, allez, go, go, go.
Il me reste à faire le double relais et j'aurai fini. Hey, checkez-moi ça, j'ai réussi. Je suis trop contente. Alors, ça donne bien, je suis très contente. Ouais, c'est cool, c'est un jeu de petit ensemble. Checkez le dos. Alors, je pense qu'à terme, je vais probablement mettre quand même une ficelle sur au niveau des omoplates. Parce que, en fait, tant que je me tiens droite, la bille, il est nickel. Mais dès que je commence à être bossue ou quoi, il faut savoir que je me tiens souvent bossue, dès que je suis assise, je me tords toujours dans tous les sens. Et du coup, j'ai peur que mon habit tombe comme ça, et c'est pas spécialement très esthétique. Hein. Donc voilà, peut-être qu'à terme, je mettrai un billet juste pour refermer dans le dos. Je vais essayer la journée comme ça, là je vais aller travailler, et si jamais c'est trop chiant, ben voilà, je mettrai ça. Mais sinon, voilà, je suis très contente, je trouve ça vraiment tout élégant. J'aime beaucoup les ensembles en ce moment, hein. J'ai déjà en tête une idée d'un autre ensemble, mais ça, on verra. Et je pense pas que je le filmerai parce que j'aime pas filmer toutes mes coutures non plus. Mais écoutez, voilà. Là, je vais me maquiller, me coiffer et faire cette fameuse machine que je dois pendre. Et j'irai au boulot. Et voilà, c'est du coup tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais bien que c'est des patrons que je fais moi-même, mais voilà, une fois vous m'avez dit dans les commentaires que ça vous intéressait quand même de voir le processus. J'espère que j'ai été assez claire, et sinon, toutes les infos que je peux vous mettre dans la barre d'informations, je vous les mettrai. Comment faire des manches papillons, comment faire sa jupe de base avec une fente, ça peut toujours être sympa. Également, pourquoi pas, le billet intérieur qui me sauve souvent la vie. Voilà, c'est souvent la dernière solution quand je ne sais pas comment faire un truc. Bah, je me dis, ok, le billet intérieur, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et alors moi, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous !